Un mot de politique. Les élus de l'opposition, que sont Théoura Iriti et Anthony Géros, ne sont pas favorables pour un deuxième tour des municipales le 21 juin. Selon eux, si le scrutin se tenait à cette date, il manquerait de sincérité et pourrait pâtir d'une forte abstention. Pour rappel, en Polynésie comme en Nouvelle-Calédonie, la loi d'urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de coronavirus dicte une exception pour ces deux collectivités ultramarines où le Covid-19 a moins sévi. Théoura Iriti, la présidente du groupe Tahuir à l'Assemblée, est au micro de David Chang. Nous proposons de faire des élections bien après, une fois que tout ceci soit, se calme, parce que la population, et je suis persuadée, les électeurs, n'ont pas la tête à aller aux élections du deuxième tour. Et certains déjà me disent, mais nous ne viendrons pas au second tour, et que nous comprenons parfaitement. Donc, oui, nous demandons au gouvernement, au pays, de reporter ces élections. Pour l'heure, la date du 21 juin est un vœu émis par le gouvernement. Le Premier ministre Édouard Philippe doit désormais fixer la date par décret. Passé la fin du mois de juin, les résultats du premier tour seront annulés.